إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. طيب، الدرس غادي يكون باش بالفرنسويه فقط ولا انا ما عندنا الوقت؟ انا ما عنديش بزاف فرنسويه. اذا الدرس نتاع اليوم او الكلمه اللي غنذكر بها الاخوه والاخوات الى حضران انه امر مهم جدا، الا وهو امر الشيعة الروافد الاماميه. لا بد أن الإنسان ينبه ولاده والمجتمع اللي كيعيش فيه على هذه القضية، وهي قضية الشيعة الروافد اللي بداوا ينتشروا في البلدان في المغرب وفي الجزائر وفي أوروبا إلى غير ذلك، وأنتم شفتوا أنه وقع حرب عليهم في الأوائل الأواخر. فلذلك لا بد الإنسان ينتبه لهذه الخطورة، لهذا السرطان والعياذ بالله، ونرجو من الله عز وجل أن ينقلع من جذوره. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour simplement un rappel pour les frères et sœurs concernant le chiisme. Ce chiisme qu'on entend parler, mais on a vu qu'il y a quand même un danger. On a vu beaucoup de frères et même de sœurs qui sont adhérés à cette secte. Ce n'est pas une religion, on ne peut pas dire c'est un madhab. Comme on le dit, madhab imam Malik et la Réalité, il n'y a pas de madhab chiite. C'est une autre religion. Une religion n'a rien à voir avec l'islam, qu'on appelle al-Rawafid, les 12 imamiyyah. Alors c'est un sujet grave qu'on doit toujours rappeler aux frères et aux sœurs, et que tous les parents doivent faire très attention, parce que ce fléau donc de cette religion, qui n'est pas une religion, il est plus grave que la religion christianisme ou le judaïsme, autre religion du bouddhisme. Le chiisme, il est plus grave. Vous devrez faire plus attention de cette religion que d'autres. Alors, le titre donc de ce rappel, As-Sahaba bayna la'nat al-Rafidi wa ridha al-Muslim. As-Sahabi al-Jalil bayna la'nat al-Rafidi wa رضا المسلم. Le compagnon de prophète sallallahu alayhi wa sallam entre le maudit des rawafid et le rida, le satisfait des musulmans. Nous les musulmans, quand on parle d'un compagnon de prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit quoi? Radiyallahu an. Les chiites disent quoi? La'natullahi alayhi. Al-farq baynana. الفرق بيننا وبين الشيعة هذا، وهذا أصل من العقيدة، مش أمر سهل، وغادي نشوفه في الدرس إلى اسمح لنا الوقت. أنه رافض هو يلعن الصحابي اللي بلغنا هذا القرآن اللي كان تعبدوا به الله عز وجل. فكيفاش يكون هذا مسلم؟ غادي نشوفه الأدلة أنه لا علاقة له بالمسلم. Un rafidi, un chiite rafidi, ceux-là qu'ils disent qu'ils ont les 12 imams intouchables, infaillibles, il y en a même qui disent que leur imam est le plus fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le Khomeini. Alors on voit bien la distinction, la différence entre le musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Lui, quand il parle, quand il entend le nom d'un prophète, d'un compagnon, qu'est-ce qu'il dit? Radiyallahu anhu. Le rafidi, est-ce qu'il dit radiyallahu anhu? Non. Allah Azza wa Jalla dit, on va citer les adillah, les arguments du Coran, pour bien voir la place qu'Allah Azzawajal a donnée aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils chauffent dans le Coran, le mécan qu'a donné Allah Azzawajal aux sahaba, ridouanullahi alayhi. Il a dit Allah Azzawajal dans la sourate Fath 26, « وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى » وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. « أَلْزَمَهُمُ اللَّهُ » أَلْزَمَ مَنْ ؟ Les sahaba, ridouanullahi alayhi.
ألزمهم كالله عز وجل أفكولي لكران دع الله كومبانيون. C'est-à-dire que les compagnons, la crainte d'Allah, ce n'est pas qu'ils se rappelaient de la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, elle était collée en eux-mêmes. Qui a fait ça? Allah Azza wa Jal. Quand Allah Azza wa Jal choisit la personne qu'il va transmettre le message, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal choisit en même temps les compagnons qui vont être avec ce prophète. Si Allah Azza wa Jal a choisi le prophète Mohammed, sûr et certain qu'Allah Azza wa Jal a choisi les compagnons qui vont aider ce prophète. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit « Wa alzamahum kalimat al-taqwa »« Wa kanu ahaq biha »« Wa kan ahaq biha » من كان أحق بالتقوى بكلمة التقوى الصحابة رضوان الله عليه. الله عز وجل يقول في القرآن في سورة فتح أن الصحابة كانوا أحق بهذه الكلمة ألا وهي كلمة التقوى. الله عز وجل يدي في القرآن que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam méritent son nom de taqwa, de la crainte de Allah عز وجل. وكان الله بكل شيء عليما. دون التفسير دون القرطبي وغيره الذي أي أحق بها من كفار مكة، لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه. دون التفسير الذي سي الله عز وجل دي كلي كومبانيون سي او كي ميريت سات نو دو كرانت دو الله عز وجل parce que الله عز وجل سي لوي كي ا شوازي سون بروفيت pour transmettre le message. Et en même temps, il a choisi les compagnons qui vont être avec lui et l'aider. Et dans Surat al-Fatih aussi, Allah Azza wa Jalla il dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Fatih 18 لقد رضي الله عن المؤمنين. الله عز وجل était satisfait des croyants. Qui croyant? En général, non. Les croyants, إذ يبايعونك تحت الشجرة. Ceux-là qui te donnaient l'allégeance au-dessus de l'arbre. C'était qui? C'est les compagnons de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi nous, Omar, Abu Bakr al-Siddiq, Uthman, Ali, et d'autres. Allah عز وجل s'est dit dans son رضي الله. Allah il est satisfait de ses compagnons qui étaient ce jour-là avec le prophète en dessous de sa table et leur donne l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah azza wa jal sait ce qu'il y avait dans le cœur de ses compagnons. Allah azza wa jal عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِ هَؤُلَا الصَّحَابَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وأثابهم فتحا قريبا. Dans le tafsir il dit ومن رضي الله عنه لن يسخط عليه ابدا ولا يمكن موته على الكفر ابدا. الله عز وجل s'il parle d'un groupe de compagnons qui étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم au-dessus de l'arbre et qu'il dit dans le Coran رضي الله عن. الله عز وجل il est satisfait de ce genre-là. De Abu Bakr ou Omar ou Ghayrub. Il est satisfait d'eux, oui. Allah Azza wa Jal, il sait dans leur, ce qu'il y a dans leur cœur, oui. Ils disent, alors Allah Azza wa Jal, quand il dit que je suis satisfait de cette personne, et Allah Azza wa Jal, il sait, cette personne ne m'aura jamais kafir. Cette personne ne m'aura jamais mécréant. Et Allah Azza wa Jal ne sera jamais en colère contre lui. Abadan, jamais. Car Allah Azza wa Jal, l'omniscient, il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Quand Allah Azza wa Jal dit je suis satisfait de cette personne, il ne va pas être en colère après contre lui. Ah ben donc jamais. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Tawba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز. Dans Surat al-Tawbah, le verset 100, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal?
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Les premières qui sont adhérées à l'islam, les premières qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des muhajir et l'ansar, de ceux-là qui ont émigré de la Mecque et ceux-là qui étaient à Al-Madina. Allah Azza wa Jal dit de ceux-là qu'il est satisfait. Ceux-là qui sont émigrés de la Mecque, c'est qui? Les premières qui ont émigré. Prenons simplement Abu Bakr radiallahu anhu. Est-ce qu'il n'était pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage? Est-ce que ce n'est pas un immigré de la Mecque? Omar, ce n'est pas un immigré. Othman, c'est Allah Azza wa Jal dit, il est satisfait de ces gens qui ont immigré de la Mecque, et ceux-là qui étaient auparavant dans le Madina, Allah Azza wa Jal ne se mettra jamais en colère contre ses compagnons-là. وعن أبي سفر حميد بن زياد قال قلت لمحمد بن كعب القرظي أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي صخر سلولا il pose la question à Mohammed ibn Ka'b al-Qurdi. Il lui dit parle-moi des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Parle-moi des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. وإنما أريد الفتن. Celui-là quand il a posé la question à Mohammed ibn Ka'b, parle-moi des compagnons. De quoi il veut lui parler? Il lui dit, parle-moi de la bataille, de la guerre qu'il y a eu avec Othman et Ali, Muawiya et Ali. C'est-à-dire, il dit, parle-moi des compagnons dans leur dispute, dans la guerre qu'il y a eu Aïcha radiallahu anha et Muawiya et Ali, les compagnons, qu'on appelle la guerre qu'il y a eu entre les compagnons. Lui, il voulait qu'il lui parle de ça. Mais Mohammed ibn Ka'b al-Qurdi a compris la situation, c'est-à-dire pourquoi Muawiya et Ali se sont fait la guerre. Ce que les chiites en parlent tout le temps. Regardez la réponse de quelqu'un qui sait la place des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِجَمِيعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَوْجَبَ لَهُمُ الْجَنَّ فِي كِتَابِهِ مُحْسِنُهُمْ وَمُسِيبُهُمْ. La réponse est claire. Il lui dit Allah Azza wa Jal, il a pardonné à tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a pardonné à tous les compagnons. Ceux-là qui ont fait de bien et ceux-là qui ont fait de mal. Tous. Sans exception. Et il leur a promis donc le paradis en plus. قلت له وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه. أبي صخر اللي تيتوني. دعوة الله إلى بغلك البروك الله عز وجل قومي للبرادية تولي كمبانيو دل قفت صلى الله عليه وسلم. دان كل فرسي كالله عز وجل a permis ou il a dit qu'il leur a pardonné et qu'ils rentrent en paradis. Donc quel verset? Le dernier lui demande. قال ألا تقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Il dit tu lis pas la parole de Allah. Oh Allah عز وجل il dit والسابقون les premiers parmi les مهاجرين et les premiers parmi les أنصار والذين اتبعوهم et ceux-là qui ont suivi ses compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الله اللي satisfait d'eux et ils étaient satisfaits de Allah وأعد لهم جنات تجري من تحتها الله الأنهار et Allah il leur a promis des paradis. Le verset du Coran dans surat التوبة il dit أوجب لجميع أصحاب النبي الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطا لم يشترطوا فيه. قلت وما اشترط عليهم؟ قال اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان يقول يقتدون بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر لكأني لم أقرها قبل ذلك وما عرفت تفسيرها حتى قرأ علي محمد بن كعب القرطي. الله عز وجل il a pardonné à ses compagnons sans faire de conditions, car Allah Azza wa Jalla dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ.
Et ceux-là qui l'ont suivi, les compagnons, mais à condition, bi-ihsan. Il n'a pas dit ihsan dans les compagnons de Muhajirin. Dans le Muhajirin, il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Stop. Qu'ils ont fait de bien ou de mal. Mais nous qui l'ont vont venir après, Allah Azza wa Jalla a fait une condition. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ Ceux-là qui l'ont suivi par ihsan. C'est-à-dire qu'ils font le bien que les compagnons ils ont fait, mais ils ne font pas le mal que les compagnons ils ont fait. Ça, c'est une condition pour nous, pas pour les compagnons, radiyallahu anhu. Et alors, il dit, Abi Sakhr, il dit, on dirait que je n'ai jamais entendu ce verset. C'est la première fois que j'entends cette explication de ce verset de le Coran. Allah Azza wa Jal dit aussi, dans Sourate Tawbah, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب إلى غير ذلك الله عز وجل كيف يقول في سورة التوبة encore 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله عز وجل pardonné le prophète صلى الله عليه وسلم et les compagnons المهاجرين والأنصار qui étaient avec eux. Donc, de Razouat al-Khandaq, il a réglé d'Alik. C'est Allah Azza wa Jalla, il dit Taba. Il a fait Tawba pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne par après ne peut venir nous dire que tel compagnon ou tel compagnon, il est devenu mécréant, comme les chiites le disent, comme on va voir par après, Inch'Allah, bien dit. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله عز وجل ici a divisé la communauté musulmane et non musulmans la création de Allah عز وجل les humains en trois parties en trois parties. C'est-à-dire dans les croyants, donc ceux-là qui ont cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il nous a montré ici trois parties. Il dit dans cette sourate, les fuqara et les muhajirin alladhina ukhrijou min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun. Ceux-là qui ont immigré de la Mecque vers le Médina. Ils veulent soutenir le prophète et glorifier la parole de Allah Azza wa Jal. Al-Muhajiri, Al-Fuqara, des pauvres. Pourquoi sont des pauvres? Parce qu'ils ont laissé tout à Medina. Ils sont sortis de la Mecque vers le Medina sans un franc. Rien. Ils étaient tous des pauvres. Quand ils sont arrivés à Medina, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé aux gens de Medina de partager la nourriture avec le muhajiroun, de ceux-là qu'ils ont immigré. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit « Les fuqara et le muhajirin, les pauvres qu'ils ont immigré de la mer. » Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il leur a donné comme nom ?« Sammahum Allah Azza wa Jalla » il dit « Oulaika humus sadiqun »